La Russie et la Syrie ont repris leurs frappes aériennes intensives sur les provinces rebelles d'Idlib et de Hama en Syrie. Les frappes interviennent au lendemain d'un sommet entre les présidents de Turquie, d'Iran et de Russie qui a débouché sur un désaccord concernant un cessez-le-feu. La Syrie, soutenue par la Russie et l'Iran, se préparait à un assaut important pour reprendre Idlib et les zones avoisinantes du nord-ouest du pays. La province Est est un fief d'Al-Qaïda et d'autres islamistes. La Turquie et certains pays occidentaux ont prévenu qu'un bain de sang se préparait si une telle campagne était menée dans cette province très peuplée qui jouxte la Turquie.